Bonjour à tous. Alors, on vous a fait la petite liste des produits essentiels. Ah, formidable, merci beaucoup. Alors, produits surgelés. Ah, c'est dégueulasse. Oui, mais les pauvres en mangent. Ils n'ont pas de goût, hein. Ou pas d'argent. Comment, Berthier ? Non, rien. Je préfère, mais... Alimentation générale. Bah oui, évidemment, sinon les restaurants ne pourraient pas ouvrir. Alors, non, parce qu'on ferme les restaurants. Mais je vais manger où, moi ? Parce que ma femme ne sait pas faire à manger du tout, hein. Vous pourrez manger des surgelés. Attention, Berthier, hein. Commerce de gros. Commerce de gros, c'est quoi ça? On vend des gros? Non, c'est de la vente en grande quantité. Qu'est-ce qui est con? Je vous entends, Berthier, hein. Et il faudrait aussi qu'on ferme toutes les boutiques de proximité qui vendent des produits non essentiels. Oui, pas de soucis. Mais si on ferme tous les commerces de proximité, mais qu'on peut retrouver exactement les mêmes produits dans des supermarchés, ils vont gueuler, les commerçants. Bah, si on ferme les petits commerçants, Attendez, bougez pas. Oui, chérie. Sinon, on peut fermer les rayons équivalents dans les grandes surfaces, comme ça, il n'y a pas de concurrence déloyale. Yes, super. Ah bah ok, on fait comme ça, alors. Bon, est-ce qu'on a tout vu ? Cosmétiques ? Alors, produits de toilette essentiels, produits d'hygiène essentiels. Les cosmétiques ? Cosmétiques pas essentiels. Pas essentiels, peut-être, mais utiles, oui. Quand les pauvres vont se rendre compte qu'ils sont mariés avec des moches, ça va leur faire tout drôle. Hein. Alors, les tabacs, bon bah c'est pas essentiel, ça rapporte beaucoup d'argent. Les tabacs sont essentiels, hein. Les librairies, non, pas essentiels. Ouais, enfin, un livre, c'est quand même hyper pratique quand on sait pas quoi offrir à Noël. Donc, le droit de vente de livres, nulle part. Alors, sauf en magasin spécialisé. C'est-à-dire, vous pourrez acheter des livres en magasin de bricolage, par exemple. Complètement con. Oui, là, pour une fois, je suis d'accord avec Berthier, c'est complètement con. Je vais pas acheter un Maupassant chez Castorama. Ah non, mais vous pourrez acheter des livres de bricolage dans des magasins de bricolage. Par exemple, comment poser du parquet flottant. Oui, mais Francard, ceux qui veulent poser du parquet flottant, ils savent déjà le faire. Alors que ceux qui ne savent pas, ils payent les gens pour le faire. Bonjour. Commencez à me faire chier, Berthier, hein. Mais du coup, on pourra toujours faire appel à des gens pour poser du parquet pendant le confinement. Théoriquement, non. Non, c'était pas une question. Eh ben si, alors. Bah écoutez, ça me paraît très bien tout ça. Informatique, essentiel. Électroménager, pas essentiel. Donc patron, on est d'accord qu'on peut acheter des imprimantes, mais on peut pas acheter des machines à laver. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, Berthier? On ne peut acheter que des choses essentielles pour travailler. Oui, mais si moi, mettons, mon travail, c'est de laver des vêtements. Eh bah, vous les lavez avec de l'encre. M'emmerdez pas. Donc ok, complètement con en fait. Dites-moi Berthier, c'est pas vous qui aviez un compte Amazon Prime ? Oui. Je dois acheter un livre pour l'anniversaire de ma femme. Si je peux éviter les frais de port, hein, c'est toujours ça de prix.